Good morning, Ali Daniel, ce 3 jours de l'année, Nishmat, Esther, Bat Miyam et René Avraham Ben Mordechai, ainsi que leur voix, Olivier Israël, Shimon Ben Chai Esther, Khamshat Miyam Bat Rosena, et Benjamin Ben Chabiba. Si vous souhaitez, vous aussi, dès une prochaine étude du Mishnah, contactez sa communauté éternelle. Nous étions à Sechat Oruin, Perigvav, Mishnah Gemel. Anche Chatser, Shechachach, Echad Mehem, Velo Erev. Beito, Asur Minach, Nisou Milotzi, Lo Velahem. Veshelahem, Mutarim Lo Velahem. Natnulo Rishutan, Hum Mutar, Vehen Asurin. Ayushnaim, Osrim Ze Alze. Sheechad Noten Rishut, Venotel Rishut. Ushnaim Notenim Rishut. Vehen Notenim Rishut. Mishnah qui va enfin poser des fondements assez clairs qu'on a déjà dû expliciter pour comprendre la Mishnah précédente, qui va nous parler de la notion du Bitoul. Soit, je rappelle très maintenant succinctement, lorsqu'on a un domaine en copropriété, plusieurs voisins juifs, on parle que de juifs maintenant, laissez tomber l'histoire avec les goïms, c'est trop compliqué, c'est plus nécessaire pour notre Mishnah. Donc on est par exemple trois juifs, on se partage une grande cour, chacun a son entrée de sa maison et on a une cour commune aux trois. On n'a pas le droit de porter depuis notre maison jusqu'à dans la cour pendant Shabbat, tant qu'on n'a pas fait de hérouve. On a la possibilité maintenant de faire un hérouve aussi, de manière à ce qu'on va exprimer par là qu'on devient tous des... on est tous des grands shutafim, des grands associés dans toutes nos propriétés. Par ça, on va chacun donner un pain et on va le mettre dans la maison de quelqu'un. Ça, c'est comme ça qu'on fait le hérouv. On avait aussi appris maintenant la notion du bitoul, que si toutefois il y en a un des trois, ou imaginez en fait qu'on est cinq, c'est plus facile, comme ça, pour la suite, c'est plus facile. Imaginez qu'on est par exemple cinq dans la cour, et il y en a un qui a oublié de donner un pain. Donc on a quatre. On est devenu comme une seule grande propriété. Mais on a le cinquième qui nous embête, parce que lui, il ne s'est pas associé à nous. Si c'est pas associé, alors on ne peut pas marcher dans cette cour. Alors, on a la possibilité de faire le bitoul, d'annuler la propriété. C'est-à-dire que le cinquième là, il va dire aux autres, bon, moi je retire mon droit de porter dans cette cour. Je vous laisse faire ce que vous voulez. Je me retire. Concrètement, il aura le droit de passer par la cour pour sortir, mais il ne pourra plus sortir les affaires de chez lui jusqu'à dans la cour. De toute façon, il n'y avait pas de hérouf. Il se retire, il mévatel son réchout, il annule son réchout, et comme ça, les quatre autres vont pouvoir porter. Je vous dis à l'oral tout ce qu'on va voir dans notre Mishnah, ce sera plus facile ensuite pour la lire et traduire. La Mishnah va me dire comme ça, ben, tu sais, lorsqu'il s'est retiré, alors ça signifie que finalement, parmi les cinq maisons et cinq propriétaires qui étaient là, eh bien, on se retrouve que finalement, il y a quatre maisons qui sont ensemble, et une maison qui n'a plus un vrai droit de porter dans cette cour. Il s'est retiré complètement. Il s'avère que lui, maintenant, il a le droit de marcher dans la cour, mais en tant qu'invité, pas en tant que propriétaire. Parce que s'il devient propriétaire, alors il nous embête à tous, parce qu'il ne s'est pas associé avec nous. Donc il retire sa propriété de la cour pour porter pendant Shabbat, et comme ça, on a maintenant une cour qui est partagée entre quatre propriétaires uniquement, qui ont fait leur hérouf, donc ça marche. Ben regardez, il va s'avérer que maintenant, les quatre autres auront le droit de faire sortir les affaires qui sont chez eux dans la maison pour les mettre dans la cour commune, puisque maintenant c'est devenu leur cour privée. Mais mieux que ça, même le cinquième qui habite dans l'autre maison, il a le droit de partir chez le voisin et de sortir les affaires qu'ils ont dans sa maison et les sortir dans la cour. Parce que concrètement, lorsqu'il a annulé sa propriété, il s'avère que maintenant, les quatre autres maisons, sont une seule entité, avec une cour privée à eux, et n'importe quelle personne de l'extérieur peut venir chez moi pour prendre un objet qui est sur ma table du salon et la faire monter, la faire sortir dans ma cour, dans mon jardin, sur mon balcon, sans aucun problème. Et bien c'est le même principe. Les quatre ils se sont associés, leur cour elle est devenue cour commune. Par contre, personne, même les autres qui ont fait leur rôle, ne pourra rentrer dans la maison de ce cinquième pour prendre n'importe quel objet et le sortir dans la cour. Pourquoi? Parce que lui, il n'appartient pas à cette cour. Il s'est retiré. Donc, tu t'es retiré, ça signifie que ta maison elle est devenue indépendante de la cour. C'est le principe très simple de la Mishnah. On fait ça dans les premiers mots, après je vous expliquerai la suite de Mishnah. Anshe Chatser, Sheshachach Echad Mehem Velo Erev. Les habitants de la cour, dont un a oublié, Sheshachach, un il a oublié, un, Echad Mehem, un d'entre eux, Velo Erev, il n'a pas fait le Erouv, il manque une petite phrase, c'est de rajouter, et il a annulé sa propriété pour les autres. C'est rapporté dans le parti droit. Beto asur milachnis ou milotzi lo velahem. Alors la Mishnah m'enseigne un message que de sa maison, on n'aura plus le droit de sortir depuis sa maison jusqu'à dans la cour,
ni de faire sortir, ni de faire entrer les objets qui sont dans la cour, les faire entrer dans sa maison privée, ni lui, ni pour lui, ni pour les autres. Personne ne pourra faire l'action de faire sortir du seuil, sortir, entrer du seuil de sa porte jusqu'à dans la cour. On n'a le droit de rien faire sortir ou d'entrer, parce que sa maison, c'est devenu un étranger par rapport à la cour commune. Par contre, Veshelahem, leur maison, Mutarin Lovelahem, ce sera permis pour lui comme pour les autres. Moi qui ai annulé mon droit de propriété parmi vous, eh ben je deviens votre invité. Et si je suis votre invité, j'ai le droit de partir dans ta maison pour sortir le petit camion pour les enfants, pour le sortir dans la cour commune pour qu'ils puissent jouer au camion, j'ai aucun problème de le faire. Parce que le passage de la maison jusqu'à la cour, puisque maintenant j'ai annulé ma propriété, moi la mienne, alors la cour elle devient maintenant propriété intégrante des quatre maisons qui forment tous une seule grande propriété. Ok ? Maintenant, nouveau cas de figure, c'est qu'on a fait le contraire. C'est qu'au lieu que ce soit moi qui annule ma propriété aux quatre, on a décidé finalement que les quatre allaient annuler leur propriété au 1. D'accord ? Ouais ? Imaginez par exemple, j'ai parlé de cas de, il y a des petits camions pour les enfants, tous les jouets pour les enfants, ils sont tous dans ma maison. Moi j'ai une très grande maison, donc du coup j'ai gardé tous les jouets des enfants chez moi, et dans la cour qui sont faits le Shabbat, les enfants ils ont envie de jouer, il n'y a plus aucun jeu. Donc du coup, on décide de faire le contraire, que tous annulent la propriété à moi. Donc moi je suis devenu le seul propriétaire de la maison, j'ai aucun problème, je viens le propriétaire de la maison. Mais il y aura une différence là, attention. Bien évidemment, on ne pourra plus rien sortir des autres propriétés jusqu'à dans la cour. Ça devient formellement interdit, parce que maintenant, ils ont tous retiré leur droit d'utiliser cette cour. Donc, ils restent enfermés chez eux, leurs objets restent chez eux. Eux ont le droit de sortir en tant qu'invités. Moi, j'ai le droit de les inviter chez moi. Mais eux, ils n'auront pas le droit de venir dans ma maison pour sortir des objets qui seront dans la cour. La Gemara enseigne que, un, il peut être invité chez quatre, mais quatre invités chez un, c'est de l'abus. D'accord ? Ne me demandez pas pourquoi. Moi, quand j'invite des personnes, j'invite plein de personnes chez moi. Mais bon, je ne sais pas pourquoi, par rapport aux Lichot et Rouv. Et Rouv, ça pose problème peut-être parce que ça devient trop une halakha un peu trop. Chacun fait un peu ce qu'il veut, donc on a voulu limiter, je ne sais pas. Il y a une halakha que je ne vous ai pas encore dit, c'est le fait qu'on peut annuler deux fois de suite. J'ai expliqué ça juste après parce que. Pour le moment, on se concentre sur ce qu'on a dit. Je refais ça dans le moment maintenant, la deuxième partie. Natnulo Rishutan. C'est eux maintenant qui lui ont donné sa propriété. Natnulo, eux ils l'ont donné, Rishutan leur propriété. Et bien il s'avère que Hu Mutar Ve'en Asurin. Lui il aura le droit de sortir les affaires qui sont chez lui dans la cour. Mais eux ils ne pourront pas venir chez lui pour sortir ces mêmes affaires. On parle même pas de faire sortir les affaires de chez eux de leur maison. Ça c'est évident qu'ils n'auront pas le droit de le faire sortir. D'accord ? Je profite de la petite pause maintenant en un entre-deux pour vous introduire une halakha très particulière. Imaginez qu'on est trois, ou deux même, c'est sûr même. Moi, on n'a pas fait de Hérouv. La Gemara m'enseigne, oui, imaginez, on est deux, on n'a pas fait de Hérouv ensemble, moi et vous. Eh bien, c'est une marque dans la Gemara, mais la Lacha, elle est retenue dans le Bartonar, elle est rapportée dans la première Mishnah du Perek, en nous disant que, mes vatlin, ve chozrin ou mes vatlin. Genre, moi, je veux faire sortir mes affaires qui sont chez moi dans la maison, dans la cour, tu m'annules ta propriété. J'ai fait sortir les affaires que je voulais. Je reviens te voir, je te dis, bon, allez, viens maintenant. Viens maintenant, on va faire sortir tes affaires d'ici. Moi, je te réannule ma propriété en retour. Et toi, tu redeviens propriétaire. Et comme ça, on joue, on fait le ping-pong. Chaque fois, je dis, bon, je t'annule. Toi, tu as le droit de sortir. Après, tu me réannules. Moi, j'ai le droit de faire sortir les objets qui sont chez moi à la maison. D'accord ? Mes vatlines, Roserine, mes vatlines. Ok ? C'était la dernière phrase de la Mishnah Aleph. De la Mishnah Aleph du Perek, si vous voulez la lire. Et Mirtsu Achar, Sheishlim, Chavero, Letaltel. Ils ont le droit de lui annuler en retour. Et je reviens maintenant sur le cours de notre Mishnah. Avec à présent, on va compliquer un petit peu la sauce. En disant quoi ? Ayushnaim ! C'est pas qu'il y en a juste un qui a voulu mettre son héros, il y avait deux personnes qui ont voulu mettre leur héros. Je vous dis de nouveau la règle avant qu'on la lise dans la Mishnah. C'est très simple. Toutes les personnes qui ont fait le Hérouv ensemble, ils sont considérés comme une grande maison, c'est devenu une très grande famille. Celui qui n'a pas fait le Hérouv, il est considéré comme indépendant, il est parti en bas. Si on est deux qui n'ont pas fait le Hérouv, on est en tout 30 dans l'immeuble. 18 ont fait, de 28 ont fait le Hérouv, et deux n'ont pas fait le Hérouv. Concrètement, alachiquement, on est combien d'habitants dans l'immeuble? Combien on a de foyers dans la maison? Ben 3. Les 18 ensemble, ils ont fait le Hérouv, ils s'appellent 1. Les deux qui n'ont pas fait le Hérouv, ils s'appellent 2. Donc, si un des deux, il va annuler sa propriété
Ça sert à rien parce que l'autre, il est encore en train d'interdire. Donc il faut nécessairement que quoi? Que les deux annulent la propriété au 1. Les deux annulent la propriété au 18. Mais on ne pourra pas avoir un cas de figure où il va y avoir, on va annuler la propriété à un des deux qui a pas fait. Ok? Il y a un cas un petit peu plus compliqué, je le ferai après dans la Mishnah. Il est rapporté dans le Barthénois, il est déduit des lignes. Pour le moment, je traduis. Ayushnaim, ils étaient deux maintenant qui n'ont pas fait le Hérouv. Osrin ze alze. Un, il va interdire à l'autre. Parce que chez Echad noten reshut, venotel reshut, parce que un peut donner sa propriété ou prendre la propriété des autres, comme le cas précédent. Moi, j'ai pas fait 18, on fait. Les 18 me donnent, ou moi, je donne aux 18. Et même mieux que ça, on peut même faire le ping-pong entre nous, comme on a vu. Mais par contre, chez Echad noten reshut, venotel reshut, par contre, Shnaim noten reshut, quand ils sont deux qui n'ont pas fait le Hérouv, ils ne peuvent que donner le Hérouv. Mais ils ne pourront pas prendre le reshut des autres. Et la Gemara, elle explique, en fait, le Barthénois rapporte, c'est le long Barthénois, enfin Yoshnaïm, qui explique une notion importante. Même lorsque le 18, le 28, je sais plus où j'en étais, le 28 vont donner à un leur propriété en disant maintenant tu fais ce que tu veux. Si tu veux, tu le donnes, ensuite tu le redonnes à moi, ou tu attends que moi je lui donne ma part aussi. Je ne pourrai plus le faire. Pour quelle raison? Parce que, alors il y a une halakha particulière. Il faut qu'au moment où on donne le Hérouv, que maintenant le Hérouv il rentre en vigueur. Que, au maintenant on va donner la propriété, que l'autre, par le fait que je lui donne le droit de porter, alors il va pouvoir porter. Mais si je donne à quelqu'un un droit de porter sans qu'il puisse porter, le droit que je lui ai donné, il est nul et non avenu. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on est deux qui ont fait le Hérouv, les 18 ou 28 vont aller voir un et vont lui dire je te donne le droit de porter. Est-ce que lui peut porter? Non, pourquoi? Parce que l'autre il est encore là. Il n'a toujours pas donné son droit de porter. Alors que lorsqu'on va donner le droit de porter au 28, alors il s'avère qu'eux, ils ont déjà un Hérouv. Donc ils ont acquis encore plus de parts. D'accord? Une petite finesse un peu, mais je pense que c'est quand même, les halakhot écrites, elles sont plus ou moins claires. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol tov, v'salam.